Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici dans un lieu très particulier en fait, chez Opel Classic, là où sont stockés tout le patrimoine de la marque. Il y a de la voiture de compétition, il y a de la voiture ancienne. C'est ce qu'on va vous amener à découvrir tout de suite. L'histoire d'Opel débute en 1862 avec des fabrications de machines à coudre, différentes machines. Il y a également de la bicyclette, mais la première voiture, elle date de 1899. Et le premier véhicule Opel, il est là. Il est en pleine restauration parce que Opel Classic, c'est pas uniquement de l'exposition, c'est de la restauration et de la remise en état de véhicules pour qu'ils soient dans leur plus bel état. Là, la marque est en train de le préparer pour l'année prochaine, pour fêter ses 120 ans. Donc il va être bichonné et il va être remis en état. À l'origine, les Opel avaient le volant à droite pour la simple et bonne raison que le frein à main était sur le côté droit et on avait plus de force à la main droite pour pouvoir l'utiliser. Après, progressivement, le levier de frein a été placé au centre de l'habitacle. Alors, il y a eu une période de flottement où le volant était toujours à droite, mais par commodité et toujours pour pouvoir utiliser le bras droit, on a déplacé le volant sur le côté gauche. Comme ça, on utilise la commande de frein à main droite. Aujourd'hui, il y a toujours des Opel qui ont le volant à droite, mais elles sont commercialisées sous la marque Vauxhall. Sur cette génération d'Opel Olympia qui date de 1937, on a encore un style relativement européen avec une verticalité de la calandre qui peut rappeler la Citroën Traction avant. Là, on est sur une génération qui date de 1950 et on a une influence très aérodynamique dans le courant Streamline et c'est manifestement une influence très américaine. Opel est entré dans une période américaine. Dans les années 50, on a toujours cette influence américaine, par exemple sur cet Opel Record qui peut rappeler certaines Chevrolet américaines mais en réduction parce qu'elles sont adaptées pour pouvoir circuler sur le vieux continent. Ça continue aussi avec cette génération, des calandres imposantes, beaucoup de chrome et puis on va très vite arriver à un modèle marquant, celui qui célèbre les 2 millions d'unités produites. Ce 2 millionième exemplaire produit, c'est celui-ci, une Opel Capitane sortie d'usine en 1956. Alors pour célébrer cet événement, tout a été doré, les chromes ont été remplacés par des dorures. Alors, c'est peut-être pas du plus bel effet, mais bon, ça le mérite d'exister. On va voir que le logo, en fait, ce n'est pas le Blitz qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est un Zeppelin, parce que ça représentait dans les années 30 le Zeppelin, le nec plus ultra de la technologie, cet aéroplane qui était prometteur, et c'est ce que voulait témoigner cet emblème, en fait. Étape très importante dans l'histoire d'Opel en 1964 avec l'ouverture du centre de style à Rüsselsheim, Opel importe les méthodes américaines et va créer le premier concept car européen, l'Experimental GT, qui est ici, qui sera présenté au salon de Francfort en 1965 et qui donnera naissance en 1968 à l'Opel GT, qui sera commercialisé jusqu'en 1973. Donc là, on a l'un des derniers exemplaires de l'Opel GT. On vous en parlera de manière plus détaillée ensuite. Et puis chez Opel, la tradition du coupé sportif, c'est vraiment quelque chose d'intense. Le coupé sportif populaire, c'est une longue tradition chez Opel. On a eu la Opel GT de 68 à 73. Et puis après, cette tradition, elle s'est perpétuée avec l'Ascona et puis les différentes générations de Manta. Pour l'anecdote d'ailleurs, retenez bien l'avant de cette Manta en forme de squale. Ça va inspirer les Opel futurs, mais ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Les différentes générations d'Opel Manta ont occupé le terrain des années 70 à l'aube des années 90. Il y a eu également l'Opel Kadett et puis dernier coupé en date, l'Opel Calibra qui a carrément une double personnalité. Double personnalité, je vous disais, pour l'Opel Calibra avec cette définition bourgeoise, intérieur cuir, présentation exclusive et version radicalement sportive avec cette version de compétition tout habillée de carbone qui fait plus de 310 chevaux. Dernier exemple en date, c'est Opel Astra DTM qui sort du circuit, elle n'a pas été nettoyée, elle est vraiment dans son jus. Et la particularité, c'est cette porte papillon qui permet de se glisser comme on peut dans le baquet. Opel, ce ne sont pas que des petits coupés sportifs populaires, ce sont également d'imposants coupés statutaires à motorisation V8 et d'influence américaine. Dans les années 60 jusqu'à l'aube des années 70, le haut de gamme d'Opel, c'est le trio Capitane, Admiral et Diplomate. On a ici une Capitane avec un moteur V6, 3,6 litres de 190 chevaux. Et en point d'orgue,
c'est sur cette Diplomate, ce moteur V8 5 litres 4, 230 chevaux, un moteur qui consomme jusqu'à 30 litres et demi au 100 km. Et là, les chocs pétroliers, ça a été fatal. Il a fallu faire marche arrière et arrêter avec ces grosses cylindrées qui fonctionnaient bien outre-Atlantique, mais qui n'étaient plus du tout adaptées à l'Europe. Voici une réplique de la mythique Veuve Noire, une Opel qui s'est illustrée en compétition dans les années 60, particulièrement en 67. Elle a été mise au point par Anatole Lapine, le designer qui, en 1977, a dessiné la Porsche 928. Autre Opel mythique, ce concept qui a été présenté au Salon de Genève en 1965. Et pour les particularités et des véhicules exclusifs, nous on va vous emmener dans un endroit secret et vous allez voir encore des Opel encore plus rares. Maintenant, chers téléspectateurs, je ne résiste pas au plaisir de vous emmener dans un endroit secret, un endroit exclusif, à la cave ou au sous-sol de cet Opel classique, où on va découvrir des raretés et des merveilles. Suivez-moi. Lumière. En 1969, Opel a le projet de décapsuler l'Opel GT en proposant cette version Targa. Elle a été confiée au carrossier italien Michelotti. Malheureusement, l'équation économique rendait trop onéreux ce véhicule qui était censé être populaire à l'origine et abordable. Donc malheureusement, il n'y en aura que 2 exemplaires produits qui seront conservés ici chez Opel Classic. Voici le concept car Opel Manta B de 1971. Là, une étude de style de 77. Du modèle de série, on voit bien la filiation. L'Opel Corsa, c'est une voiture mondiale, elle a séduit tous les marchés, il n'en manquait plus qu'un, c'était celui de la Lune. Donc en 1997, chez Opel, on a envisagé de vendre des Corsa sur la Lune avec ce concept car Opel Corsa Moon. Ces roues vous rappellent peut-être le fameux rover, le véhicule lunaire qui est toujours stationné sur la Lune. Eh bien, c'est un clin d'œil parce qu'il a été fabriqué par General Motors, propriétaire d'Opel à l'époque. Dans les années 90, les SUV urbains n'étaient pas encore à la mode et pourtant Opel y pensait déjà avec ce prototype sur base d'Opel Corsa. D'ailleurs, le côté bicolore, c'est de la personnalisation et c'est des teintes typiquement d'époque. Et on a des barres de toit, on a des pneus plus épais, des arches de roues marquées. On pourrait dire en quelque sorte, c'est un peu l'ancêtre du Mokka X. L'Opel Tigra, c'est un autre coupé populaire de la marque Opel. Il a inspiré les designers avec 2 déclinaisons cabriolet. Avec celle-ci, il y a un bossage particulier et là, un bossage un peu moins sportif. Malheureusement, ces versions n'ont jamais vu le jour. Autre déclinaison qui n'a jamais vu le jour de l'Opel Tigra, c'est cette version V6 qui devait initialement avoir un moteur de 210 chevaux. Pareil, peut-être que le marché n'était peut-être pas à l'écoute de ce type de véhicule. Et puis toujours dans la famille Tigra, il y a eu un prototype qu'on a rarement vu, d'une seconde génération avec un modèle un peu plus grand, un peu plus carrossé. Il y a une idée aussi de porte avec un dynamisme au niveau de la custode. Ça peut rappeler aussi par certains côtés la Renault Wind. Donc ils ont peut-être bien fait de ne pas la faire finalement. Tout à l'heure, nous évoquions la double personnalité de l'Opel Calibra, avec d'une part le coupé bourgeois et d'autre part la version de compétition. Il y aurait pu également avoir une troisième personnalité si Opel avait commercialisé cet élégant cabriolet. Malheureusement, il restera dans les cartons et en l'occurrence chez Opel Classic. Vous connaissez tous l'Opel Speedster, ce roadster sportif développé sur la base de la Lotus Elise, mais ce qu'on connaît moins, c'est cette version SUV avec des roues plus importantes, une garde au sol plus élevée, et ce qui nous fait penser en fait immédiatement à un buggy, pourquoi pas une réminiscence du buggy Chevrolet Corvair de l'affaire Thomas Crown. Et puis là, il y a une carrosserie qui est spécifique avec une peau qui est complètement grainée, c'est assez étonnant. En 2005, au Salon de Francfort, Opel dévoile le concept car Antara GTC, un étonnant coupé SUV à 3 portes,
Malheureusement, la version de série, ça sera un SUV classique à 5 portes. C'est un peu le regret parce que Opel aurait pu devancer les BMW X6 et consorts et être une fois de plus pionnier sur un segment de marché. Concept car qui est resté relativement méconnu dans l'histoire d'Opel, ce concept car G100 de 1999, c'est une structure entièrement en aluminium. La partie avant, c'est celle d'une Opel Astra, cellule centrale d'Opel Corsa et toit d'Opel Tigra Twin Top. Et au final, les proportions de ce véhicule rappellent plutôt une Mercedes SLK. Et c'est dommage que ce n'ait pas allé au bout parce que ça aurait pu tirer vers le haut et donner plus de statut à une marque comme Opel. Autre étude de cabriolet restée sans lendemain, ce cabriolet Monza qui a des accents très américains, notamment quand on voit l'intérieur en cuir rouge et tout le dessin de la poupe, ça rappelle beaucoup les fameuses Chrysler Le Baron. Alors ça, est-ce que c'était pas adapté au marché européen, on ne sait pas, mais en tout cas ça aurait fait une très belle auto. Avec sa calandre et ses lignes, cet Opel Senator de seconde génération peut faire penser à l'Audi V8 qui deviendra par la suite l'Audi A8, à l'époque où Opel avait des ambitions dans les hautes sphères. Mais plus encore, on va terminer en beauté avec ce modèle charismatique, l'Opel Lotus Omega, avec un moteur V6 3.6 litres biturbo de 377 chevaux et un équipement très très rare à l'époque, une boîte manuelle à 6 rapports, véhicule haute performance, qui permettait d'asseoir l'image de la marque parmi les modèles sportifs. Nous tenons à remercier Opel pour nous avoir laissé accès à cet endroit privilégié. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire et puis surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Chers téléspectateurs, suivez-moi, je ne résiste pas au plaisir à vous ouvrir l'accès à cet endroit qui est habituellement fermé au public, un vrai cabinet de curiosité, un écrin où Catherine de Médicis recelait toutes ses précieuses étoffes, et suivez-moi. Ah, pardonnez-moi, on n'est pas chez Catherine de Médicis, mais on est chez Opel.